augmenter la laurence qu'on donnait aux lauréats, parce qu'il y a eu dans le passé plusieurs bonnes lauréats, bonnes parents, qui disaient, nous, je trouve la somme qu'ils donnaient pas suffisante. Alors bien sûr, le ministère des Finances, le ministre des Finances, à l'écoute, et cette fois-ci, le Premier ministre et le ministre des Finances, finit assurer qu'il y a une augmentation dans la somme qui nous, de la laurence qui nous donne bonnes lauréats. Bien sûr, il est important aujourd'hui, c'est un jour que nous célébrer le succès de nos bonnes jeunes, de nos bonnes enfants, et nous trouver que, de plus en plus, certains brillent et gagnent de très bons résultats. Mais l'important, c'est que Mohamed Fediali, tout à l'heure là, c'est en plus de ce succès académique, nous avons aussi à ceux autres qui gagnent la possibilité, bonne qualité, bonne skills, comme on va nous dire, qui vous permet de travailler en collaboration avec les autres, travailler avec un esprit d'équipe et bien sûr réussir. Là, ce qui nous demande tous nos bonnes jeunes lauréats, qui nous appellent The Ben Bright Minds, qui eux-mêmes, ils ont retourné avec bonne idée, avec bonne façon de faire différente, bonne idée innovative, et qu'ils sont capables, quand ils retournent au pays, travaillent pour le pays. Ce qui nous dit à nos bonnes jeunes lauréats, c'est que bien sûr, ils sont allés, ils ont gagné les connaissances qu'il faut, mais toujours penser qu'ils ont besoin servir ce pays à un moment ou à un autre pour qu'ils soient assurés que ce pays aussi avance au même pas, au même rythme que le monde peut avancer. Au ministère, on nous a remarqué qu'ils nous laissent, bien sûr, bonne université, gère sans trop d'interférences du ministère. Mais on apprend aussi qu'ils ont trouvé une solution au niveau de l'université pour cela. On apprend qu'ils ben là, tu peux faire une restructuration, mais qu'ils finissent revoir certaines de ces bonnes choses. Sans qu'ils, dans les dernières données là, mais on connaît que l'université prend en main tout bon aspect de sa discussion que vous êtes ou bonne faculté, mais qu'ils ont déjà retrouvé une solution pour ce bon problème. Très satisfait, très content. En fait, depuis après l'été, un peu resgay, fait quelques prix à les mêmes, donc voilà. Là, je commence mon undergraduate dans Maurice, je commence sur TFR. Après, on fait mon master de l'Australie. Alors moi, aujourd'hui, c'est une cérémonie encore de plus pour partager avec mes amis, ma famille, etc. Donc, c'est un honneur, une fierté, mais aussi une la joie de partager ce moment-là avec toutes les personnes qui nous réunissent, tout le monde lauréat, qui a certainement une famille, un master. Et donc, moi, mon projet d'avenir, c'est d'aller au Canada pour étudier la finance ou la comptabilité. Après, on va voir après ce que l'avenir nous réserve. Il y a une grande aide fait pour surtout côté finance pour famille. Moi, je peux continuer sur tout ce que je fais après mon thèse. Après, moi, je peux continuer tout de suite après. Moi, je faisais travail avant. Alors, je remercie mon Dieu beaucoup pour ça. Il y a une grande aide pour ma famille. Moi, je pense que je vais faire actuel, c'est à l'Université Maurice même. Là, après plus tard, mon thèse peut-être en dehors. Bien content, bien satisfait. Le gouvernement peut augmenter nos allocations qui est bien nécessaire, que je dis bien tight. Surtout, le coût de la vie reste augmenté tous les années. Je vais faire médecine. J'espérais que tout passe bien. Ouais. Un long étude, vous avez une balance la vie. C'était bien, j'ai apprécié la réception. Je vais faire ingénierie biomédicale en aide. Je compte revenir ici, particulièrement en Rodrigue, parce qu'à Rodrigue, cela, on n'a personne qui fait ça. L'ingénierie biomédicale n'existe pas à Rodrigue.